Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo aujourd'hui avec Vince. On espère que tu te portes pour le mieux et que tu as eu beaucoup de chance dans le tout nouveau pack qui est sorti, le choix joueur Tots et Métamorphosé 93+. Aujourd'hui les gars, voilà, on a ouvert un petit peu les packs de la commu, nos packs également, et on va continuer d'en ouvrir un peu plus dans les prochains jours après nos récompenses Ravels de demain. Exactement. Si tu kiffes la vidéo, le gros pouce bleu, et n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications. Et tu nous dis en commentaire justement qui tu as eu dans ce choix là. Juste avant les gars qu'on commence la vidéo, on voudrait vous parler avec l'un de notre partenaire Nekon qui organise du coup maintenant les soldes. Donc si tu as envie d'acheter n'importe quel accessoire gaming pour toi, pour des cadeaux, pour ton papa, pour ton frère, n'hésite pas à les rejoindre sur le site Nekon. Et on va parler plus particulièrement aujourd'hui les gars de la manette Revolution X Pro Controller sur Xbox, parce qu'elle est à moins 30% avec le code qu'on va mettre justement dans la description. Donc n'hésite pas à aller checker FIFA. Le code Twin FIFA, donc n'hésite pas à aller checker dans la description. C'est parti maintenant, place au pack. Choqué quand même du contenu les gars. 1 sur 4. C'est 1 sur 4, c'est pas 1 sur 2 les gars. C'est 1 sur 4. Tu préfères faire ça qu'un pack écologique? En vrai, moi aussi. En toute franchise, je te dis ouais, la vérité ouais. Donc les gars, pour l'équipe notée à 88, on va envoyer Ronald Koeman, David Alaba, et le reste c'est que des 83-84. Et Ederson et Courtois qu'on a dû acheter les gars, pour 30 000. Donc on va soumettre cette équipe. Boum! Et maintenant, il faut juste faire l'équipe à noter à 86. En vrai les refs, hein, si vous avez investi sur des folders, vous êtes trop bien. Donc les gars, c'est l'équipe notée à 86, on va mettre Diogo Jota, Harry Kane et le reste les gars, c'est tout ce qu'on avait dans le club. Je vais pas vous mentir, c'est très cher, mais demain on a les récompenses Rivals. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va ouvrir notre pack demain également après les récompenses Rivals. Et moi je sais pas du tout à quoi m'attendre les gars, il y a pas mal de frérots qui sont là sur Twitch qui savent pas ce que ça vaut. Ce que ça vaut ce pack là, moi je sais vraiment pas ce que ça vaut. Il y a un peu de Gravenberch, il y a un peu de Cancelo là. Mais en règle générale, je pense que c'est plus une défaite qu'autre chose. On verra. Bah vu le prix des folders, je pense que ça va pas être... je pense que ce... les deux, là, une équipe 80-86, ça va sûrement te coûter autour des 250 000. Hein. C'est pour ça que je vous conseille vraiment les gars vivement de faire des choix joueurs. 200 000. Faut taffer les choix joueurs. Ouais, en fait, faut bosser les choix joueurs. Allez les gars, on l'ouvre comme on ça. On l'ouvre comme ça, allez. On l'ouvre comme ça. Pas de on va en ouvrir sur le compte Xbox et sur le compte... bah le deuxième sur le compte Play, du coup, demain les gars. Ouais. Donc on verra ça. Allez, j'espère du lourd. Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est une défaite. Messieurs, c'est une défaite pour moi. Ah, c'est ça. Oh, ça pique. Bah, je vais prendre la note. Hein. Défaite, messieurs. Mais Tavernier, il coûte combien, les gars, sur le marché? Il coûte rien. Tavernier, il coûte rien. C'est que si j'ai envie de me le tester, je l'achète directement sur le marché. Ah donc, ouais, mais ouais, 145 000. En vrai, ça peut se prendre. Ouais, mais je vais jamais l'utiliser, les gars. Tu vois, Liam va jamais l'utiliser à Cafu Moments. J'ai Cafu Moments, et si je vais vraiment le tester, au pire, je l'achète et je le revendrai, tu vois. Les gars, je vais prendre Ruben Dias, je vais prendre la note, je vais privilégier la note. C'est une giga défaite. C'est dur. C'est une giga défaite. Les gars, c'est quand même ouf parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est Vincent qui avait plus de chance que moi dans les packs. Et je sais pas comment je me sens là, tu vois, je me sens un peu trahi. Je me sens un peu. Tu vois, je me sens piétiné. On ouvre vos packs, les gars. Allez, je messieurs. Je pense que c'est une unpopular opinion de mettre Van Dijk Tots meilleur décès du jeu, les gars. Ouais, oh, je sais pas. Non, il est bon, mais meilleur, non. Allez, le deuxième, les gars. Oh, les gars, il y avait une prédit en plus dessus. Est-ce qu'il y avait un shapeshifter ou pas qui allait tomber? Je vous montre, les gars. Un shapeshifter dans le choix, oui, à 33%. Par contre, est-ce que ton Van Dijk est vendable ou pas? Est-ce que ton Van Dijk est vendable, frérot? Bon, moi je prendrais, s'il est non échangeable, je prendrais Tchouaméni. Après Robertson est bon et tu peux peut-être le faire jouer DG et peut-être, tu vois, il n'est pas vendable. Ça joue entre Tchouaméni et Robertson. Robertson j'ai testé, je le trouve plutôt pas mal. Après moi je pense que Tchouaméni est peut-être meilleur. À toi de voir. En tout cas c'est pas, c'est un match nul. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on aura un shapeshifter ou pas dans le choix? Bah bon. Il n'y aura pas de shapeshifter. C'est tout le temps, par contre Van Dijk qui tombe là. Là je prendrais Van Dijk perso. N'empêche les gars, on en a fait 3, une défaite de match nul. Vous savez moi, quelle icône les gars, j'aimerais bien essayer un jour, mais je pense qu'il est dégueulasse entre guillemets une game et qui est pas représenté à sa juste valeur. En parlant d'icône, hein, je pense que c'est Kaka Moments. Je pense que Kaka Moments les gars, si t'arrives à le manier, si t'arrives à bien façonner, je pense que Kaka Moments, il y a vraiment dinguerie, il y a vraiment moyen à faire quelque chose. Mais yeah, ils l'ont mal foutu cette année. Allez les gars, le quatrième ou non, qui est quatrième les gars, allez, donne-nous du lourier. Oh, c'est le plus nul celui-là. C'est le plus nul comme choix. In-game il est monstrueux à ce qui paraît. Et un shapeshifter dans le choix du coup, oui messieurs. À ce qui paraît les gars il est monstrueux. Dites-moi un petit peu plus
Kalulu. Ah, okay. Le frérot, toi, tu par contre, soit Spinazzola, soit Kalulu. Ok, d'accord, bah c'est bien, c'est bien. T'es une bonne équipe là, franchement, c'est une bonne équipe. T'as un peu de crédit, Mathis. Ok, t'as un peu de crédit. Je termine les votes pour la prédit. Est-ce qu'on aura un shapeshifter dans le choix? Oui, à 54%. Non, il n'y aura pas de shapeshifter. Quand c'est Todd, c'est que des. Ouais. Quand c'est Todd, c'est défaite, les gars. C'est 300k le SBC. Bah oui, mais moi. Ouais, je suis 8008. 8008 à 83. Ouais, mais il a la pression des ultras. Why? Ah les gars, les fraudeurs c'est chaud là. Là les fraudeurs c'est chaud. 8008. Un 83 c'est chaud. Ah ouais, en plus t'as 26 000... la pression des ultras, il y a la pression. Après que t'as que 26 000 crédits. Ah frérot, on est désolé mon gars. Bonne chance frérot, j'espère que ça sera compensé. Y'a pas de shapeshifter. Oscar. C'est dur. Après peut-être avec les récompenses Rabble ça va peut-être baisser, y'a pas de shapeshifter. Talisca, non en vrai Talisca, Moi je prendrais Talisca là direct. Ouais, Talisca fort. Ouais, mais il rembourse fort. Pas, hein. C'est une défaite. Hein. Il rembourse pas, mais Talisca c'est quand même un minimum joueur, je crois. Allez, ouais. Mon, dès que tu l'ouvres, bonne chance, mon ref. Bonne chance. Je viens de l'avoir la première victoire là d'aujourd'hui. J'ai envie de le voir là, le Mbappé au Messi Tots, même Neymar Tots là. Je viens de le voir là. Allez, que des. Ouf. C'est officiel, les gars. S'il y a une seule chose que tu dois retenir depuis 19h. Ne fais pas ce choix. Et tout, ils en pensent quoi de Sadio Mané au Bayern? Je pense que c'est un très bonne signature pour les deux. Pour le Bayern aussi, pour Sadio Mané. Je pense que Mané avait besoin d'un nouveau challenge. Et je pense qu'il va être la star de l'équipe hein, au Bayern. Je pense qu'il savait qu'à Liverpool, il serait jamais la star, tu vois. Ça fait peur, maintenant, le Bayern. Ouais. Ça a toujours fait peur, en vrai, mais... Je pense que, du point de vue de Sadio Mané, je pense que c'était le bon move. Dans un sens où je pense que là, vraiment, comme Liam l'a dit, ça sera vraiment lui le... Le métronome, surtout s'il rentre dans ce qui part. Et puis je pense que le Bayern y recrute intelligemment parce que vu le prix qu'ils l'ont payé, même s'il restait une seule année de contrat à Liverpool, c'est quand même ultra intelligent, tu vois. Oh, Cancelo direct. Ou non, Wirtz, non. Cancelo direct. Même si Wirtz est très fort, mais tu prends Cancelo moins. Bien joué. C'est pas une good win. C'est pas une win. Oh, c'est obligé. C'est dur. Hein. S'il est vendable, ton Modric, je te le prends et après, comme ça, tu peux le vendre, mais ça m'étonne. Désolé, Adrien. Allez. Eden Hazard, shapeshifter, je prends direct. Oh, oh. Ça, c'est une victoire pour moi. Parce que là, même, t'as fait Chiellini, tu prends Cuadrado. T'es content. Oh, regardez-moi ce choix, les gars. La dinguerie. Ouais. Je me demande limite, même si c'est pas photoshopé. Non, le frérot, tu vois le frérot derrière avec le sourire. Parce que pour moi, je te dis la vérité, il y a juste Bernard Silva, c'est défaite match nul à domicile. Non, défaite. Grealish victoire, Son. Et même Kimmich, si Kimmich n'est pas remboursé, c'est quand même archi jouable. Son, frère, Son, il détruit tout le monde. Bah oui, après là, tu prends Son. Vous savez quoi, les gars, je pense que j'ai envie de préparer un concept des musiques rétro. Ça, les gars, je kiffe et je pense que je vais le préparer, ce concept-là. Où tu dois découvrir le FIFA. Ouais, moi, je serais chaud. En fait, chacun on pourrait prendre. Ouais. Non, chacun on prend 7-8 chansons. Ça serait archi d'art. On les écoute et on fait découvrir à l'un l'autre. Et on fait une sorte de quiz. Ouais, Lewandowski c'est un bon fraudeur. J'ai l'impression, les gars, que si t'as une grosse victoire, derrière t'as une deuxième grosse victoire. Dis-nous dans les commentaires si ça te plairait une petite vidéo comme ça. Alors, donne-moi le quatrième choix, mais pas en bleu, mais en vert. On avance. Ouais, ils sont durs. Les choix, ils sont durs en vrai. C'est très dur, les gars, c'est très très dur. C'est dur. C'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai. C'est vendable ou pas? Vendable ou pas? Oh, vendable en plus. Waouh. C'est bien. Bien joué, mon gars, bien joué. Demain ça stream, ouais, les gars. Demain ça stream normalement. Non, demain ça stream. Normalement, demain on est quoi? Et demain on va sûrement s'envoyer à la France sur Fall Guys. Demain c'est du Fall Guys, les gars. Fall Guys et Fortnite, limite. T'as pas la même force de trahir le jeu qu'à l'ancienne. Et là, si t'as pas un bon pack, bah ça donne envie de quitter le jeu, tu vois. Là ça, c'est plutôt un bon truc qu'il aime. Ça, c'est. Ouais. Ça, pour moi, ça passe. Pour moi, ça passe. Moi, Modric, j'adore, les gars. Modric, je l'adore. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là de l'année, t'as pas forcément envie de tryhard autant le jeu qu'il y a quelques semaines, tu vois. Et ça, c'est une défaite, peut-être. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé, le frérot? C'est même pas légal, nouveau SBC. Hein. Monteur les gars. C'est le dernier d'aujourd'hui, les gars.
Les gars, si vous avez kiffé cette petite vidéo surprise, boum, le pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications. Et viens nous dire dans les commentaires si tu as eu du lourd en faisant ce pack. Oh, ouais, mais ça en fodeur. On termine sur la plus grosse note qu'on ait eu aujourd'hui avec Modric, c'est-à-dire 97. Les gars, si vous avez kiffé la vidéo d'aujourd'hui, le gros pouce bleu, c'est la deuxième vidéo d'aujourd'hui. C'est la deuxième vidéo. Oui, ah, peut-être. T'as dit les termes. Pas la deuxième. T'as dit les termes. En tout cas, les gars, le gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification. Merci beaucoup, les gars, vraiment du soutien. Et on se capte demain en stream, les gars, pour du Fall Guys. On va jouer à la Fall Guys, les gars, en stream. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Ça va être bien, bien drôle. Merci beaucoup, les gars. Bisous, les refs. À demain, les gars. Ciao.